Voici 3 mois que se prolonge la visite du roi de Bohême en Sicile. Le peuple sicilien n'en finit pas de célébrer l'amitié extraordinaire de son roi et de son hôte, élevés ensemble dans leur enfance et liés par une amitié aux très profondes racines. Si l'âge les a séparés, ils ont continuellement échangé lettres, présents et ambiances cordiales, et ils n'ont cessé d'être ensemble. C'est maintenant ici qu'ils se rencontrent, et je vais vous présenter maintenant donc le grand roi de Bohême, le grand Polixène. Je salue le vaillant et fier peuple sicilien et son grand roi. Oui, je suis tourmenté par les craintes de ce qui peut arriver ou se préparer pendant notre absence. Veuille les dieux que nul vent malfaisant ne souffle sur mes états et ne me fasse dire. Mes inquiétudes n'étaient que trop fortes. D'ailleurs, je suis resté assez longtemps pour fatiguer votre majesté. Notre trône de Bohème est resté vide trop longtemps. Je dois partir, mais d'abord, mon très cher Léontesse, et vous, peuple de Sicile, je dois vous dire l'infinie reconnaissance que j'ai pour la formidable chaleur de l'accueil que vous avez réservé au roi de Bohème. Oh, oui. Différez encore quelque temps vos remerciements, vous vous en acquitterez en partant. Seigneur, je pars demain. Demain, ce n'est pas possible. Attendez un peu. Pas un jour de plus. Accordez-nous une semaine. Non, Seigneur, je pars demain. Mes affaires me rappellent chez moi. Y mettre obstacle, ce serait me punir de votre affection. Un plus long séjour deviendrait pour vous une charge et un embarras. Alors, n'est-ce pas, pour vous éviter ces inconvénients. Adieu, frère. Vous restez muette, ma reine. Et dites quelque chose. Vous le suppliez tellement froidement, Seigneur. Dites-lui que vous êtes sûr que tout va bien en Bohême. D'accord. S'il dit qu'il lui tarde de revoir son fils, ce sera une bonne raison. Laissez-le partir. Mais sinon, prêtez-nous encore une semaine de votre royale présence. Vous resterez. Non, madame. Mais si, vous resterez. Je ne peux, vraiment. Vraiment. Vraiment, vous ne partirez point. Le vrai nom d'une dame a autant de poids que le vrai nom d'un gentilhomme. Voulez-vous toujours partir? Alors, forcez-moi à vous retenir comme prisonnier et non comme hôte. Vous nous paierez votre pension en partant et serez par là dispensé de tout remerciement. Qu'en dites-vous? Serez-vous mon prisonnier ou mon hôte? Par votre redoutable, vraiment, il faut vous décider à être l'un ou l'autre. Votre hôte, alors, madame. Pour être votre prisonnier, il aurait fallu que je vous offensasse, ce qui m'est injustifié. Je ne serai point votre geôlière, mais votre bonne hôtesse. Alors, je vais vous questionner sur votre enfance à tous les deux. Vous deviez faire alors de jolis petits princes. Nous étions deux innocents qui ne voyaient rien d'autre dans l'avenir qu'un lendemain semblable à la veille et croyaient que notre enfance durerait toujours. Monseigneur, n'était-il pas le plus fou des deux? Ah, gracieuse souveraine. Si nous avions connu plus tôt, si nos âmes n'avaient pas été confrontées à des tempéraments trop impétueux, nous eussions pu répondre au ciel hardiment, non coupable. Vous avez donc par la suite commis quelques faux pas.
Gracieuse souveraine, nous avons par la suite connu la tentation, lorsque ma femme n'était plus une petite fille, et que votre précieuse personne commençait à frapper les regards de mon jeune camarade. Étonnant discours. Vous laissez entendre que votre reine et moi sommes des démons. Mais très bien, nous répondrons des fautes que nous vous avons fait commettre, si vous avez commis votre premier péché avec nous. L'avez-vous convaincu? Il restera, Seigneur. Hermione, ma bien-aimée, jamais tu n'as parlé plus à propos. Jamais. Jamais! Une fois excepté. Et quand donc a été la première? Je t'en prie, dis-le-moi, ma dernière bonne action a été de l'engager à rester. Qu'alors que tu es la première, je t'en prie, dis-le-moi. Eh bien, ce fut quand tu frappas ta main blanche dans la mienne, en gage d'amour. Tu dis alors... Je suis à vous pour toujours. Ainsi, voyez-vous, j'ai parlé à propos deux fois. La première afin de conquérir pour toujours mon royal époux. La deuxième afin d'engager un ami à prolonger son séjour de quelques jours. Enfer, enfer. Mon cœur danse, mais ce n'est pas de joie. Serrer les mains, se presser les doigts, se renvoyer des sourires d'intelligence comme devant un miroir, et puis soupirer comme si c'était la lalie d'un cerf. Ah, cet accueil ne convient ni à mon cœur, ni à mon front. Ma Vénus, es-tu mon enfant? Oui, mon Seigneur. Vraiment? Tu es mon beau petit veau? Tu es bien mon petit veau? Si vous le voulez, mon Seigneur. Il te manque ma peau rude et cette excroissance que je sens à mon front pour me ressembler parfaitement. Et pourtant, nous nous ressemblons comme deux œufs. Allez, monsieur l'écuyer, regardez-moi avec votre œil bleu. Petit fripon, chair de ma chair. Ta mère peut-elle? A-t-elle pu? Oh, imagination, tu poignardes mon cœur. Tu rends possible l'impossible. Mais qu'a donc le roi de Sicile? Il a l'air quelque peu agité. Mais qu'avez-vous, monseigneur? D'où vient ce brusque trouble? Êtes-vous sous le coup de quelque émotion, monseigneur? Non, en vérité... Je considérais les traits de mon fils et je me revoyais à son âge avec mon poignard moucheté pour éviter qu'il ne mordît son maître. Comme je devais alors ressembler à ce petit gentilhomme. Dites-moi, monsieur, si quelqu'un vous gifle, tendez-vous l'autre joue? Non, Seigneur, je me bats. Vous vous battez. Alors, bonne chance. Mon frère, êtes-vous aussi fou de votre jeune prince que nous le sommes du nôtre? Je suis chez moi et fais toute ma joie, toute ma consolation. Tantôt mon ami dévoué, tantôt mon ennemi, mon parasite, mon soldat, mon homme d'état, tout enfin. Et par ses caprices d'enfant, il me délivre des idées qui m'épaissiraient le sang. Petit écuyer a le même office auprès de moi. Nous allons nous promener, les deux, et vous laisser à vos affaires plus sérieuses. Hermione, montre à votre frère combien tu nous aimes. Nous serons dans le jardin. Si vous nous cherchez, vous nous rejoindrez? On vous retrouvera bien, allez où bon vous semble.
Allez, allez! D'un mari qui donne le bras à sa femme sans se douter qu'elle a ouvert l'écluse en son absence et laissé pêcher dans son bassin le premier venu, messire Sourire, son voisin. On ne peut pas barricader un ventre. Qu'en penses-tu, mon garçon? Je pense comme vous. C'est toujours une consolation. Ah, Camillo. Oui, Majesté. Va jouer, Mabilius, tu es un brave garçon. Alors, Camillo, ce grand roi prolonge finalement son séjour. Comment se fait-il qu'il soit resté? Grâce aux prières de la vertueuse reine. De la reine, soit vertueuse, cela devrait être en effet, mais cela n'est pas. Cette vérité est-elle entrée dans une autre cervelle que la tienne? Je crois que tout le monde a compris que le roi de Bohême prolonge son séjour ici. Oui, mais pourquoi? Pour satisfaire votre majesté, le désir de notre gracieuse reine. Satisfaire le désir de votre... Satisfait. Je n'en veux pas davantage. Camillo, je t'ai confié le plus cher secret de mon cœur, mais j'ai eu tort. Tu ne mérites pas ma confiance. Ah, Dieu ne plaise, Majesté. Ne vois-tu pas que ma femme est infidèle? Si tu as des yeux pour voir, combien donc que ma femme est une catin? Avoue-le! Je ne voudrais pas rester ici à écouter de marcir mon auguste maîtresse sans en tirer vengeance sur le champ. Mais maudit soit mon cœur si vous n'avez jamais proféré de paroles plus indignes que celle-là. La répéter sur un crime aussi grand que celui que vous imaginez, s'il était vrai. Et n'est-ce donc rien que de se parler tout bas, nez contre nez, joue contre joue? Preuve incontestable de leur trahison. Pressez leur... l'un sur l'autre. Si cela n'est rien, alors le monde et tout ce qu'il enferme ne sont en rien, et tous ces rien ne signifient rien. Sire, guérissez-vous d'une opinion si funeste, et au plus tôt, car elle est très dangereuse. N'importe, elle est vraie. Mais non, sire, non. Elle est vraie. Vous mentez, vous mentez. Je te dis que tu mens, Camillo, et tu n'es qu'un misérable sans âme qui ne voit pas la différence entre le bien et le mal. Qui est donc son corrupteur? Qui? Celui qui la porte toujours pendue à son cou, comme une médaille. Ce roi de Bohême. Qui? Si j'avais auprès de moi de vrais serviteurs, ils feraient ce qui couperait court à cette turpitude. Oui, toi, mon méchant sombre, pour t'en tirer de l'obscurité et élever au rang de grand officier. Toi qui vois combien je suis outragé, tu pourrais épicer une coupe et procurer à mon ennemi
un sommeil éternel. Ce baume serait pour moi une grande consolation. Oui, sire, je pourrais le faire. Mais je ne puis croire une telle souillure chez mon auguste maîtresse, si souverainement honnête et vertueuse. Oh, je t'ai tant aimé, sire. Alors doute et va courir à ton aide. Me crois-tu assez forcené pour souiller sans raison la pureté et la blancheur de mes draps et faire du prince mon fils un infâme bâtard? Un homme peut-il s'égarer à ce point? Je suis bien obligé de vous croire, Majesté. Et je vous débarrasserai du roi de Bohème. C'est moi qui le servirai. Et si il survit au breuvage que je lui donnerai, je ne suis plus votre serviteur. C'est bon. Fais cela. Et la moitié de mon cœur est à toi. Si tu ne le fais pas, tu t'arraches le tien. Je le ferai, sire. Je le ferai. J'aurai l'air amical, comme tu me le conseilles. Oh, malheureuse reine, à quoi suis-je réduit? Il faut donc que j'empoisonne ce bon Polixène. Et pourquoi? Pour obéir à un maître, à un homme, qui en guerre contre lui-même voudrait que tous ceux qui lui appartiennent le soient également. Non, je ne ferai pas. Il faut que j'abandonne la cour où ma ruine est inévitable. Oh, étoile bienfaisante, luisez à présent sur moi. Ah, mais voilà le roi de Bohème. Il a peur de plus être ici le bienvenu, de ne pas m'adresser la parole. Ah, bonjour, Camillo. Salut, noble roi. Quelle nouvelle inconnue? Rien d'extraordinaire, Majesté. De l'air qu'à le roi, on dirait qu'il a perdu une province. Je viens de l'aborder avec les compléments d'usage, et il s'est détourné avec une moue méprisante. Enfin, pourquoi? Pourquoi pareil changement de manière? Je n'ose pas le savoir, Majesté. Vous n'osez pas le savoir? Vous le savez, mais vous n'osez pas le savoir. Je t'en conjure au nom de tout ce que l'honneur permet, dis-moi, quel malheur imprévu! Une devine prête à fondre sur moi. Je vais vous le dire, puisque j'y suis sommé au nom de l'honneur et par un homme que je crois plein d'honneur. Mais faites attention à mon conseil. Sinon, nous n'avons plus qu'à nous écrier, vous et moi, nous sommes perdus! Et adieu! Vous suivez, Camillo? Je suis l'homme chargé de vous tuer! Par le roi. Mais pourquoi? Parce qu'il croit, ou plutôt il jure avec conviction, comme s'il l'avait vu de ses yeux, que vous avez eu un commerce illicite avec la reine. Mais si cela est vrai, que mon sang se tourne en salive brûlante, et que mon nom soit maudit! Ah oui, mais vous ne sauriez détruire sa folie par des serments, ou l'ébranler par des arguments. Elle a des fondations solides, elle durera jusqu'à sa mort. Comment cette idée a-t-elle pu se former? Je n'en sais rien. Mais je suis certain qu'il est plus prudent de se mettre en garde contre elle que de chercher d'où elle vient. Si vous osez vous fier à mon honnêteté, partons. Je vais mettre à votre disposition ma fortune que je viens de perdre par cette révélation. Mais n'hésitez pas. Car par l'honneur de mes pères, je vous ai dit la vérité. Je te crois, Camillo. J'ai lu son cœur sur ce visage. Donne-moi ta main. Sois mon guide. Et ta place sera toujours à côté de la mienne. Mes maisons sont prêtes. Fuyons!
contrairement à ce qu'il avait promis, le roi Léontès a accusé publiquement sa femme d'adultère. Il l'a fait jeter en prison, et là, elle a mis au monde une fille. La cour se désole du traitement effroyable réservé à la reine. Et Pauline, une amie fidèle, va mener la fronde contre l'égarement du roi. Le roi, sûr de son fait, va dépêcher des messagers qui vont consulter l'oracle d'Apollon à Delphes. En attendant la réponse, qui, il en est sûr, sera favorable, le roi rumine sa vengeance. Ni le jour, ni la nuit, point de repos. C'est une disgrâce d'être couvert de honte. Et ce serait une disgrâce plus grande encore de laisser vivre la cause de cette honte. Je tiens du moins à une partie de la cause. Elle, l'adultère, le roi, son maquereau, est hors d'atteinte, mais elle, elle est entre mes mains. Quand je l'aurai livrée aux flammes, je retrouverai une partie de mon repos. Voilà, quelqu'un. Majesté. Comment se porte mon fils? Il a bien dormi cette nuit et nous espérons tous que sa maladie est terminée. Quel enfant bien né. Comprenant le déshonneur de sa mère et faisant sienne sa honte, il a perdu l'appétit, le sommeil, est tombé en léthargie. Allez voir comment il se porte. Ne nous occupons pas de la polyxène. Il est trop puissant. Laissons-le vivre en attendant une occasion favorable. Pour l'instant, ma vengeance, c'est sur elle que je vais l'assouvir. Camillo et Polyxène se moquent de moi. Ma souffrance les amuse. Ils ne riraient pas si je pouvais les atteindre. Et elle ne rira pas, elle qui est en mon pouvoir. Mais laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Vous ne pouvez pas entrer, ordre du roi! Aidez-moi plutôt, monseigneur! Craignez-vous plus sa colère tyrannique, hélas, que pour la vie de la reine pure et innocente? Cela suffit! Madame, le roi n'a pas dormi cette nuit. Il a donné l'ordre de ne laisser approcher personne. Je viens justement lui apporter le sommeil. Ce sont les gens comme vous qui nourrissent ses insomnies. Sire, je sollicite un entretien sur une affaire qui concerne votre Altesse. Mais comment? Mais débarrassez-moi de cet exalté! Antigone, je t'avais chargé de l'empêcher de m'approcher! Mais Majesté, je lui l'avais interdit en la menaçant de vos foudres et des miennes. Tu n'as donc aucun pouvoir sur elle? Il a le pouvoir de m'interdire le mal. Mais dans cette affaire, à moins qu'il ne fasse comme vous et me jette en prison pour mes bonnes actions, soyez-en sûrs. Il n'aura aucun pouvoir. Eh bien, vous l'entendez. Quand elle veut prendre les rênes, je la laisse faire. Elle ne bronchera pas. Mon cher souverain, je viens. Je vous conjure de m'écouter. Je viens de la part de votre vertueuse reine. Ah, vertueuse reine! Oui, vertueuse reine, majesté. Vertueuse reine, je dis bien vertueuse reine. Fais-la sortir! J'arracherai les yeux au premier qui met la main sur moi. Je sortirai. Mais d'abord, j'accomplirai ma mission. La vertueuse reine, car elle est vertueuse, vous a donné une fille. La voici. Elle la confie à votre bénédiction. Oh, hors de ma vue! Oh, sorcière, maudite maigrelle! Non! Je suis aussi honnête que vous êtes fou. Traître, tu ne m'as fait sortir! Rendez-lui cette bâtarde! Et toi, vieux coq déplumé, gouverné par ta poule, ramasse-moi cette bâtarde! Ramasse-la, te dis-je! Et rends-la à ta vieille bique! Que
tes mains soient à jamais maudites si tu touches la princesse. Ah, il a peur de sa femme. Si vous en faisiez autant, vous n'auriez pas de mal à reconnaître comme vôtre vos enfants. Oh, un nid de traître. Ah, je ne suis pas un traître. Le ciel m'en est témoin. Et moi non plus. Le seul traître, c'est lui. Car c'est le roi lui-même qui piétine son propre honneur. Et celui de la reine. Et celui de son fils, l'espoir du trône. Et celui de cet enfant même. Le malheur est que personne ne peut l'en empêcher. Incroyable! Cette vieille pie bat son mari et vient maintenant me harceler. Ce marmot n'est point de moi, il est de Polyxène. Qu'on l'emmène et qu'on le livre aux flammes avec sa mère. Mais c'est votre enfant, monseigneur. Oh. Regardez comme il vous ressemble. Mais regardez! Mais regardez, messeigneurs, si ce n'est pas absolument le portrait de son père. Regardez, ses yeux, son nez, sa lèvre, jusqu'aux jolies fossettes de ses joues et son beau sourire. Bonne déesse nature, qui a fait cet enfant si semblable à son père et qui doit aussi veiller sur son esprit. Fasse qu'il ne soit pas jaloux, de peur qu'à son exemple, elle ne soupçonne ses enfants de ne pas être de son mari. Ah, oh, vieille sorcière! Et toi, imbécile! Tu mériterais d'être pendu pour être incapable de la faire taire! Non! Si vous faites pendre tous les maris qui ne peuvent accomplir cet exploit, c'est à peine s'il vous restera un sujet. Bon, allez, cette fois, on est là! Le mari le plus dénaturé ne ferait pas pire. Je ferais brûler vive. Que m'importe? L'hérétique, c'est celui qui allume le bûcher, et non celle qui y est brûlée. Je ne dis pas que vous êtes un tyran, mais traiter si cruellement la reine, sans produire contre elle d'autres accusations que votre imagination déréglée, cela sent la tyrannie, et cela suffit à faire de vous l'opprobre et le scandale du monde. Oh, vous m'avez juré fidélité. Débarrassez-moi de cette femme. Allez. Si j'étais un tyran, vivrait-elle encore? Elle ne m'appellerait pas tyran si elle me savait-elle. Qu'on l'emmène. Ne me touchez pas. Je vais sortir. Veillez sur votre enfant, Majesté. Elle est bien à vous. Et que Jupiter lui donne pour guide un meilleur génie. À quoi bon ses mains sur ma personne? Vous tous qui êtes si tendres à ses folies, il n'y aura jamais en vous de bons serviteurs, dans aucun de vous. C'est bien. C'est bien. Adieu. Nous partons. C'est toi, traître, qui a excité ta femme? Mon enfant, hors de ma vue, toi-même, qui a pour elle un cœur si tendre, emmène-la et fais-la sur le champ, consumée par les flammes. Fais-le toi-même, toi seul. Tu refuses de mes mains, je fais jaillir de son crâne sa cervelle bâtarde. Va, conduis-la au bûcher, car tu as entraîné ta femme à la félonie. Non, sire, ce seigneur, mes nobles compagnons peuvent, s'ils le veulent, me justifier. En effet, sire, il n'est pas responsable de la démarche de sa femme. Vous êtes tous des menteurs. Je conjure votre majesté, accordez-nous plus de confiance. Nous vous avons toujours loyalement servi, et nous vous conjurons de nous rendre cette justice. C'est à genoux que nous vous demandons, comme la récompense de nos fidèles services, passés et futurs, de changer cette résolution. Elle est trop affreuse, trop sanguinaire, pour ne pas conduire à quelque issue funeste. Nous voici tous à genoux. Je suis comme une plume dans les vents qui tourbillonnent. Dois-je vivre pour laisser cette bâtarde
à mes genoux, m'appeler son père. Mieux vaudrait la brûler maintenant que la maudire plus tard. Et puis, soit qu'elle vive. Approchez, messire. Vous qui vous êtes si tendrement interposé avec votre matrone accoucheuse pour sauver la vie de cette bâtarde. Car c'est une bâtarde, aussi sûre que cette barbe est grise. Je ne vois. Qu'êtes-vous prêt à risquer pour sauver la vie de ce marquis ? Majesté, tout ce que mes forces peuvent supporter, tout ce que la noblesse peut me commander. Alors jure de faire ce que je vais t'ordonner. Je le jure, Majesté. Nous te donnons ordre d'enlever cette bâtarde, de l'emmener sur une plage lointaine, hors de nos frontières, et de l'abandonner là, à son destin. Je le ferai, je le jure. Bien, pauvre enfant, les milans et les corbeaux seront tes nourrices. On dit que les loups et les ours se sont montrés parfois accessibles à la pitié. Sire, puissiez-vous être plus heureux que cette action ne le mérite. Et toi, pauvrette, condamnée à périr, que la bénédiction du ciel te protège contre tant de cruauté. Il ne sera pas dit que j'élèverai l'enfant d'un autre. Votre Majesté, voici la réponse de l'oracle dans ce document scellé par les prêtres d'Athorée. Leur promptitude, sire, a dépassé nos attentes. Quelle rapidité, en effet. Le grand Apollon veut que la vérité se manifeste au plus vite. Brisez les sceaux, brisez. Hermione est chaste. Chaste. Polyxène innocent. Innocent. Camillo loyal. Loyal. Léontès est un tyran jaloux. Son enfant est légitime. Le roi vivra sans héritier si celle qui a été perdue n'est pas retrouvée. Béni soit le grand Apollon. Béni soit le grand Apollon. Apollon. Avez-vous lu exactement? Bien sûr, sire, tout ce qui est consigné ici. Il n'y a rien de vrai dans cet oracle. Majesté, Majesté. Qu'y a-t-il? Oh, sire, je vais être maudit pour annoncer cela. Mais le prince, votre fils, a la seule crainte du sort de la reine s'en est allée. Comment cela s'en est allé? Il est mort. Ah! Le grand Apollon est furieux. Et les cieux eux-mêmes châtient mes injustices. J'ai trop cru mes propres soupçons. Apollon, pardonne-moi cette terrible profanation de ton oracle. Je me réconcilierai avec Polyxène. J'offrirai à ma reine un nouvel amour. Je rappellerai le bon Camillo. Malédiction! Mon cœur va se rompre! Que vous arrive-t-il, madame? Ta tyrannie agit de concert avec ta jalousie! Songe à ce qu'elles ont fait. Et alors deviens vraiment fou! Fou allié! Ce n'était rien de trahir Polyxène. Ni de vouloir souiller l'honneur du bon Camillo. Passe encore! De faire jeter au corbeau ta petite fille. Je compte cela pour rien, peu de choses. Je ne te reproche pas non plus la mort du jeune prince qui n'a pas survécu à l'idée qu'un père brutal et grossier flétrissait sa gracieuse reine.
Seigneur, la reine, la plus gracieuse, la plus adorable créature, est morte. Et Dieu n'aurait pas permis cela. Mais je vous dis qu'elle est morte. Inutile de te repentir de tes fautes, tyran. Elles sont trop lourdes pour que le remords t'aide à les porter. Continue, continue, tu n'en diras jamais assez. J'ai mérité mes blagues les plus amères. Je t'en prie, conduis-moi auprès des dépouilles de ma femme et de mon fils. Ils n'auront qu'une seule tombe. Et inscrite au-dessus d'eux, les causes de leur mort apparaîtront pour ma perpétuelle honte. Une fois par jour, je visiterai la chapelle où ils reposeront. Et les larmes que j'y verserai seront ma consolation. Aussi longtemps que la nature me le permettra, je jure d'accomplir chaque jour ce devoir. Viens, conduis-moi. Poser ma pauvre enfant, va dans ces contrées lointaines de Bohême pour l'y abandonner à ses cris. Et puisque l'enfant est réputé perdu à jamais, appelle-la, je te prie, Perdita. En expiation de cette mission inhumaine que t'a imposée, mon Seigneur, tu ne reverras plus jamais Pauline, ta femme. Et sur ce, elle s'est fondue dans l'air. Tout cela était réel. Hermione est morte. J'en suis sûr, cet enfant est la fille du roi Polycène. Et Apollon désire qu'elle soit déposée pour y vivre ou pour y mourir sur les terres de son père véritable. Repose là. Voici ton signe de reconnaissance. Puis ceci encore. S'il plaît à la fortune, il y a là de quoi t'élever, ma jolie enfant. Et il t'en restera encore. La tempête commence. Pauvre petit, exposé à tous ces hasards pour la faute de ta mère. Je ne puis pleurer, mais mon cœur saigne. Je suis maudit d'être obligé partiellement à ceci. Adieu. Le jour s'obscurcit de plus en plus. Ah,
le théâtre à Mimille a eu le plaisir et l'honneur de faire revivre devant vous la didascalie la plus célèbre du théâtre occidental. Dans la langue du grand Will, exit pursue by mer. Dans la langue de Molière, il sort poursuivi par un ours. Sur cette anecdote, le théâtre à Mimille vous invite à venir voir la suite et la fin du conte. Pas du tout, mais non. Non, non, rassurez-vous. Excusez-le. Le rôle d'ours, l'orateur de boulet. Le spectacle continue. Sous l'eau, et l'ours, la
pas encore fini son dîner. Oh, j'aurais voulu être là pour secourir ce pauvre vieillard. Ah oui, et moi j'aurais voulu que vous fussiez là. On soit tellement forte au bateau, mais là, vous n'auriez pas eu, votre charité n'aurait pas eu pied. C'est horrible. Mais regarde ici, ma fille. Bénis ta bonne fortune. Tu as rencontré des mourants. Et moi, une folie. Regarde, c'est la légende d'un enfant de gentilhomme. Et là, regarde, ramasse ma fille et vous. On m'a prédit que les fées feraient de moi une femme riche. Et voilà, c'est quelque enfant échangé au berceau. Qu'avons-nous là-dedans, ma fille? De l'or, rien que de l'or. C'est l'or des fées, ma fille. Ramasse-le vite et cassons-le bien. Nous avons de la chance. Et pour en avoir toujours, soyons discrètes. Ramasse, file. Laissons mes brebis divaguer. Allons, ma fille, filons. Allez-y, vous, avec ce que vous avez trouvé. Moi, je vais aller voir si l'ours a fini son repas et combien il en a laissé. Les ours ne sont féroces que quand ils ont faim. Bah, s'il y a des morceaux, je vais les enterrer. Si tu peux voir qui il est, à ce qu'il reste de lui, viens me chercher pour me le montrer. Oh, par Dieu, oui, comme ça, vous mettrez à l'enterrer. C'était notre jour de chance, ma fille. Et nous allons en profiter pour faire le bien. Oui. Comme si c'était le jour de nos noces. Ah, quelle fortune.
soyez mes propices. Messieurs, soyez les très bienvenus. C'est la volonté de ma mère que je fasse les honneurs de ce jour. Voici du romarin pour vous. Et de l'âge. Bergère, jolie bergère, vous faites bien d'offrir à nos âges des fleurs d'hiver. Les plus jolies fleurs de la saison sont les œillets et les giroflées, que l'on nomme souvent les bâtards de la nature. Ces espèces ne se trouvent pas dans notre rustique jardin. Sois ma fille, nous marions au tronc le plus sauvage, le plus rond, délicat de greffe, et nous fécondons l'écorce de la plus basse espèce par un bourgeon de plus noble race. C'est un art qui corrige plutôt modifie la nature, mais l'art lui-même est nature. Enrichissez votre jardin de giroflées, mais ne les traitez pas de bâtards. Voici des fleurs pour vous. Lavande, menthe, serviette et marjolaine. Je crois qu'on les offre aux hommes d'un certain âge. Il me faudrait des lys pour vous, mon doux ami. Pour vous en couvrir tout entier, comme un lit, propre au jeu, propre au repos et au jeu de l'amour. Allons, prenez vos fleurs. Madame, si j'étais une de vos brebis, je cesserai de paître et me repaîtrai de votre beauté. Notre danse, je vous prie. Votre main a perdu ça. Ainsi s'appareillent les tourterelles qui veulent ne se séparer jamais. J'en fais pour elles le serment. Allez, musique! Voici la plus jolie jouvencelle qui ait jamais dansé sur le vert gazon. Ses gestes sentent, je ne sais pas de trop grand pour elle et de trop noble pour ses yeux. Dites-moi, bergère, qui est ce beau peintre qui danse avec elle? On le nomme Doricles. Il dit qu'il a un pâturage. Je le crois. Il a l'air sincère. Il dit aussi qu'il aime ma fille. Je le pense aussi. Car jamais la lune ne s'est mirée aussi complaisamment dans l'eau qu'il reste à contempler les yeux de ma fille. Elle danse gracieusement. C'est un gère. Si le jeune Doricles fait tomber son choix sur elle, elle vous vaudra une botte alors qu'elle est une songe claire. Eh bien, donne-moi ta douce main et on tombe à répondre à ce vieillard.
Il me semble nous avoir enlevé. Je vous prends en témoin. Vous, vous, vous et vous aussi. Et les hommes et les cieux. Si j'étais couronné, si j'étais le plus beau, le plus fort, le plus intelligent des rois, cela ne serait rien pour moi sans son amour. Voilà qui est loyal. Éprouve une affection profonde. Ah, ma fille, en dites-vous autant. C'est bien parlé, jeune fille. Il est mieux exprimé mon amour. Stoppez-la. Affaire concrète. Vous, comme les ouvriers, vous en serez témoin. Je lui donne ma fille cadette avec une dot égale à la sienne. Cette dot, c'est la vertu de votre fille. Une fois une certaine personne morte, j'aurai plus d'argent que vous ne pourriez l'imaginer. Alors, votre main et la vôtre, ma fille. Doucement, bergère. Avez-vous un père? Oui. Il est au courant? Il ne l'est pas et il ne le sera jamais. Il semble qu'un père soit un invité incontournable aux noces de son fils. Votre père est-il incapable de raisonner? L'âge l'a-t-il rendu stupide? Est-il retombé en enfance? Ah non, il est même en pleine forme. Enfin, pour son âge. Par ma barbe blanche, voilà un grave défaut. Oui. La raison pour que je laisse mon fils choisir lui-même sa femme, enfin, elle veut aussi que le père soit un peu consulté dans cette affaire. Oui, certes, pas pour d'autres raisons qui ne vous regardent pas. Je n'informerai pas le mien. Informez-le. Non. Je t'en prie. Pas possible. Oh, mais dis-le lui, mon fils. Il sera d'accord. Mais impossible, vous dis-je. Allez, oh. Mais prenez acte de notre contrat. Acte de votre divorce, jeune fou. Indigne d'être mon fils. Tu es l'héritier d'un trône et tu peux régner sur tes promis. Quant à toi, la vieille traîtresse, je vais faire ton. Et toi, sorcière accomplie qui savait forcément quel royal idiot tu visais, je te ferai écorcher vive avec des ronces et te rendrai plus vilaine que ta condition. Toi, petite insensée, cesse de soupirer après cette poupée qui m'entend, sinon je te déshérite. Toi, t'écorches de mes amis. Et toi, ensorceleuse, si jamais tu lui ouvres ton rustique pertuis, j'inventerai pour toi une mort aussi cruelle que tu es délicate. Eh bien, je n'ai pas eu si peur. J'ai failli lui dire que le même soleil luisait sur son palais que sur notre cabane. Reprenez vos vêtements, Seigneur. Et partez. Je vous l'avais bien dit. Je vous en conjure. Prenez soin de vos propres intérêts. Mon rêve, maintenant que je suis éveillée, je le détrône de mon âme. Je m'embêterai à brebis. J'en emprunterai à mes brebis. Et pleurer. Pas de ceux qu'on met dans l'aise. Mon gracieux seigneur,
connaissez le caractère de votre père. Tant que sa fureur ne sera pas calmée, ne vous présentez pas devant nous. Je n'en ai pas l'intention. Bien des fois, vous avais-je prévenu que cela finirait ainsi. Rayez-moi de votre succession, mon père. Mon héritage, c'est l'amour. Non, mais soyez raisonnable. Si ma raison me dicte de suivre mes sentiments, alors je suis raisonnable. C'est au désespoir. Voilà un désespoir qui comble mes voeux. Vous qui avez toujours été l'ami vénéré de mon père. Depuis que je vais m'embarquer avec celle qui m'est interdit de posséder sur ce rivage. Ah, j'aimerais que vous soyez davantage accessible au conseil. Il est résolu à fuir. Quel bonheur pour moi si je pouvais profiter de son départ pour revoir ma chère Cécile et ce malheureux roi, mon maître. Bien, Camille, l'affaire est si pressante qu'elle exclut les formalités. Non, monseigneur, monseigneur. Je vous laisse sans cérémonie. Monseigneur, vous connaissez mes modestes services et l'affection que j'ai toujours portée à votre père. Oui, certes, il m'a séché de sans beauté vos louanges sur tous les ponts. Eh bien, sur mon honneur, je vous indiquerai un lieu où vous recevrez un accueil digne de votre altesse, où vous pourrez aimer à loisir votre belle maîtresse que rien, je le vois bien, ne peut séparer de vous. Et vous l'épouserez pendant que je tâcherai d'apaiser votre père. Comment, Camille, tu pourrais la manouer? Parle, parle que je t'accorde à jamais ma confiance. Avez-vous décidé du lieu de votre exil? Pas encore. Eh bien, si vous êtes résolu à fuir, faites voile pour la Sicile. Là-bas, présentez-vous au roi de Montaigne et présentez votre belle princesse. Hein, et je le vois déjà vous accueillant à bras ouverts, te demandant pardon à toi le fils, comme au père en personne, et baisant les mains de votre jeune princesse. Mais sous quelle couleur présenterai-je ma visite? Bien, dites que vous êtes envoyé par le roi, votre père, pour saluer Léontès et lui présenter des condoléances. Je vous suis obligé. Mais comment allons-nous faire? Nous ne sommes pas équipés comme doivent l'être les princes héritiers de Bohème et nous ne pourrons paraître à la cour. Et ne craignez rien à ce sujet. Vous savez que ma fortune est toute dans ce pays-là. Je ferai le nécessaire pour que vous soyez royalement costumé, comme si vous jouiez une pièce de moi. Ah, laissez-moi vous expliquer. Foutaise que l'honnêteté et la confiance de Jubel. Moi, j'ai vendu toute ma camelote. Mon sac à le ventre vide. J'ai bien vu que tu te pour ce plaid. J'aurais pu leur piquer jusqu'à leur clé. Alors moi, je commence à m'adonner. Et t'as la vieille qui arrive en criant contre sa fille et le fils du roi qui farouche tous mes pigeons. Oh, j'aurais pas laissé pour son vie. Quel est cet énergumène? Voilà l'instrument qu'il nous fallait. Servons-nous de lui. Eh bien, mon brave, pourquoi trembles-tu ainsi? Oh, mais... Ne crains rien. On ne te veut pas de mal. Oui, mais monsieur, je suis un pauvre homme. Eh bien, personne ne te privera de ce privilège-là. Mais si tu voulais échanger ta défroque de pauvre avec ce gentilhomme, tu y gagnes tout change, et il y a un bonus en prime. Oh, je suis un pauvre homme, monsieur. Je reconnais bien celui-là, allez. Alors, dépêche-toi. Vite, vite. Oui, d'accord. Allez. Ça sent la magie. Déjà, moi, j'ai déshabillé. Allez. Oui, d'accord, mais ma conscience n'est pas tranquille. Allez, déboutonne-moi ça, vite. Et vous, madame, prenez le chapeau de votre amant. Voilà, enfoncez-le sur vos yeux, masquez votre visage. C'est parfait. Et déguisez-vous en homme pour monter à bord sans être reconnu. J'ai donc moi aussi un rôle à jouer dans cette pièce? Ah, mais c'est indispensable. Et voilà, êtes-vous prête? Si mon père me voyait ainsi affublé, il ne me reconnaîtrait pas. Adieu, mon ami. Au revoir, monsieur. Au revoir. Je vais prévenir le roi de leur évasion et de la direction qu'ils ont prise. Je le convaincrai de les poursuivre avec moi et je retrouverai ma chère Sissi. Allons nous embarquer et que la fortune nous donne des ailes. C'est fini.
poème. Je crois que je vais rentrer dans la combine. Et quand même, c'est pour elle, Saint-Denis. Ma classe. Et alors, avec le bonus. Et quel bonus. Bon, puisque c'est bien en informer moi, moi je peux le faire. Puisque c'est mal de lui cacher la chose, à ça, et je vais m'en faire un devoir. Oh, j'ai entendu le bruit. Cachons. Oh, et il y a un cadeau en bois que c'est une enfant trouvée. Et qu'elle est ni de votre chair, ni de votre sang. Et tant avéré qu'elle n'est ni de votre chair, ni de votre sang, alors, votre chair et votre sang n'ont pas offensé le roi. Et alors, votre chair et votre sang n'ont pas à être punis par lui. Il faut lui montrer les signes de reconnaissance, il n'en faut pas plus. Je dirai tout au roi, mot pour mot. Je lui dirai aussi les fredaines de son fils qui n'a été honnête ni envers son père, ni envers moi, en voulant me faire belle-sœur du roi. Belle-sœur du roi, c'est le mot que vous puissiez lui être. Eh bien, allons trouver le roi. Eh bien, Pécor, où allez-vous ainsi? Au palais, excellence. Mais qui, vous? Nous sommes des braves bergères. Mensonge, patibulaire et hirsute. Êtes-vous de la cour, excellence? Mais je vous suis. Ton nez ne passe pas, dites pas, mon parfum de cour. Toi, tu as intérêt à me mettre au courant. C'est au roi, monsieur, que j'ai à faire. T'as un contact? Ben, par contact, il entend faisant. Dites-lui que vous n'en avez pas. Ah, je n'en ai pas, monsieur. Je n'ai ni faisant, ni coq, ni poule. Ah, ah, que nous sommes heureux, nous autres, de ne pas être des gens simples. La nature aurait pu nous faire d'être comme eux. Enfin, mettons-nous en rendez-vous. Ah, regardez! C'est un grand seigneur qui se cure les dents. Monsieur, il y a dans ce paquet des secrets que seul le roi doit connaître et qu'il va connaître d'ici une heure si je puis parvenir à lui parler. Mais tu perds ton temps. Mais pourquoi, monsieur? Le roi n'est pas au palais. Le roi est parti en croisière, faire prendre l'air à sa mélancolie. Es-tu au courant de la douleur du roi? Ah oui, monsieur, à propos de son fils, qui voulait épouser la fille d'une bergère. Et si cette bergère a échappé à la justice, mais qu'elle se souvite, qu'elle subisse, qu'elle subira, brisera les chines d'un être humain, et le cœur d'un monstre. Elle a une fille qui sera écorchée et puis enduite de nez. Oh, oui. Puis on placera son corps sur un nid de guerre jusqu'à ce qu'elle soit aux trois quarts morte. Oh, mais puis on la ranimera avec une boisson brûlante ou une eau de vie. Puis, le jour le plus chaud que la Tanakh prédit, placera son corps tout sanguinolent jusqu'à ce qu'elle soit aux trois quarts mangée à mort par les mouches. Bon, quoi bon causer de ces pécores? C'est un homme capable de faire réussir un vœu de mort auprès du roi. Cet homme est devant vous. Oh, oui,
avec de l'or, on le fait danser. Et puis, rappelez-vous, écorchez vive, lapidez. Monsieur, voilà ainsi de l'or que j'ai sur moi. Si vous daignez vous occuper de notre affaire, je puis encore vous en donner autant. Et vous laissez cette jeune femme en gage. Je vous ai remis toute la somme. Ce sera fait quand je fais ce que j'ai promis. Ah oui, monsieur. Bon. Bon, allez, deux mots toujours dans le budget. Es-tu engagé dans l'affaire, toi? De quelque sorte, messieurs, pour que mon sort soit assez pitoyable, j'espère ne pas être lapidé, écorché vivant. Mais c'est le cas de la fille de la bergère. On fera d'elle un exemple. Elle sera pendue. Oh, écoute. Ah, ah, oh, oh, voilà qui est rassurant. Bien rassurant. Vite, il faut aller voir le roi et lui dire qu'elle n'est ni votre fille, ni ma sœur, sinon nous sommes perdus. Monsieur, je vous donnerai autant que la vieille quand l'affaire sera faite. Mais, je vous fais crédit. Allez, marchez jusqu'au rivage. Je vous suis. Enfin, je les suis. À l'automne prochain. Bah oui, quand le théâtre Émile présentera la version complète du Grand Divers William Shakespeare. Et maintenant, messieurs, mesdames, vous pouvez applaudir. Merci. Bravo. Bravo. C'est dommage.